De là où l'embête, c'est une tempête de vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon samedi. Un samedi qui commence avec un temps qui est voilé. Il y a du sable sur la plage, en l'air, il y en a partout. La température extérieure est à 16, la température de l'eau est à la baisse à 13-14. Cet après-midi, un temps variable, une température à 24. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 10h05 avec des coefficients de 73. Sur cette descendante, le vent est toujours offshore. Mais alors déjà, par rapport au premier check, là, il s'est énervé le vent. Il est sud-est, il est soutenu à fort. Il y a 4-5 beaux forts établis, des rafales à 5-6. J'ai relevé à l'anémomètre des pointes à 45 km/h. Ça arrache le vent, ça arrache le plan d'eau qui est tout fripé. Les phases de vagues sont ridées à l'hélice. La houle est un peu arrachée par le vent, elle aussi, elle est solide. C'est une houle longue de 13 secondes de période orientée ouest à ouest-sud-ouest qui est sur un mouvement à la baisse. Là, vous voyez la meilleure vague que j'ai vue dérouler là. Il y a peut-être la droite aussi par moment, vous allez voir. La bouée du ferré en moyenne est à 2 mètres. En termes de taille de vague, il y a 1,50. Serré qui rentre fréquemment à 2 mètres, c'est ce qu'on voit là. Et il y a les gros 7 qui activent le large à la hauteur de 2,30. Il y a des zones de contournement, mais il ne faut pas se rater parce que c'est quand même costaud, solide et c'est vraiment pas calé. C'est vraiment désordonné, très aléatoire. Des fois on en voit, des fois on n'en voit pas. Mais bon, là, vous voyez les grosses séries là, c'est arraché par le vent. Ça vaut la note de 0 sur 5. Hein. Il y a quelques personnes qui checkent les conditions, mais il n'y a personne à l'eau, c'est pas bon. C'est trop agité. Alors quand il y a les vagues intermédiaires, on voit des bouts qui passent. Quelques gauches, quelques droites, mais dès qu'il y a les séries, ça passe plus du tout. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va être stationnaire à la mi-journée, qui va se tasser légèrement en soirée. Pour ce qui est du vent, l'indice de confiance est fait pour toute la suite de la journée, instable, avec a priori peut-être un vent qui se lève à l'ouest entre midi et 2, modéré à soutenu, puis après une petite brise de nord qui faiblit sur la fin du montant. Les prévisions à 9h, c'est 2,30, ou l'ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période, bon, sud-est 4,56. À 13h, c'est 2,30, ou l'ouest à ouest-sud-ouest, 13 secondes de période, vent ouest-sud-ouest, 3,4. Et à 17h, 2 mètres, ou l'ouest à ouest-sud-ouest, 12 secondes de période, vent de nord à 2. Bah, surveiller peut-être ce matin, mais bon, arraché par le vent, pas évident. Sur le large, vous voyez comme ça décale, là, c'est pas intéressant. On peut prendre à la droite, mais il n'y a pas d'épaule après. Ou sinon, à surveiller à marée haute, mais avec des vagues qui devraient être agitées, quoi. Ça sera pas du tout la même histoire que les précédentes journées. Et là, on voit la droite du côté de la digue nord. À la Cano, prochain point, tout à l'heure.